Alors c'est moi l'intervieweur. Ah c'est. C'est pas Léa Salamé, c'est pas Thomas Soto. Bah c'est pas toi alors. C'est pas non plus. Finalement c'est Nico. Ce n'est que moi. Ce n'est que moi. C'est une blague alors. Tu m'as dit que t'étais occupé tout l'après-midi. Bien sûr. Alors Hugues, Normandie ou Californie? Forcément Normandie, la terre de mes ancêtres et celle qui m'a vu naître. Sans hésitation. L'industrie du stockage. Mariage de raison, accident ou réelle passion? Ah, d'abord un accident et c'est devenu une réelle passion. Et ça le sera encore pendant quelques années parce que j'aime vraiment ce milieu. Semaine de 4 heures ou de 60 heures? J'ai lu la semaine de 4 heures, j'arrive pas à l'appliquer. Donc soit c'est très compliqué, soit j'ai raté quelque chose. Ta question fétiche, c'est quand ou pourquoi? Ah, c'est d'abord pourquoi. Discussion animée ou direction claire? Ah, j'aime bien les deux. En bon normand, parfois peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais une bonne direction permet toujours de savoir où on va. Alors, Steve Jobs ou Guillaume le Conquérant? Ah, question difficile, hein. La passion IT m'aurait entré vers Steve Jobs, mais le style de management moins, et le côté normand de Guillaume le Conquérant me plaît beaucoup. Une réunion idéale, c'est quand tu parles moins ou que tu écoutes plus? Il faut forcément les deux et pour bien écouter, il faut d'abord se taire. Les trois qualités que tu attends de tes collaborateurs, en excluant les stéréotypes que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Trois qualités. Donc là, c'est une vraie question ouverte. Alors. C'est une vraie question ouverte. Moi, j'aime beaucoup la franchise, l'honnêteté et dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Eddie Michel ou Snoop Dogg? Les deux. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Eddie Mitchell. Je le chante sous la douche. Et j'adore le rap et US et français. Tu peux donc nous chantonner un petit pas de boogie boogie? Je peux, mais ça va pas être sympa pour vos oreilles. Hein. Baroudeur ou vacances en club? Alors le baroudeur de cœur, vacances en club de raison, parce qu'avec 4 enfants de tout âge, c'est pas forcément évident de barouder. Tu as des objets à ta droite, donc chaussons, livres, une balle de tennis, un choupi, un biberon, etc. Alors un dimanche après-midi, que choisis-tu? Alors en ce moment, c'est l'actualité, donc je vais choisir les objets de tennis. Et en plus, tous les dimanches matin, je suis au sport. Donc c'est plutôt sportif le dimanche. Comment concilies-tu ta vie pro et ta vie perso? Il y a quelques années, c'était compliqué. Ça m'a valu un divorce. Et c'est beaucoup plus simple maintenant parce que j'ai appris à m'organiser, à me structurer. Et donc ça va très bien. Alors Hugues, pur en trois mots. Orange, dynamisme, avenir. Alors tu vas être invité à compléter cette phrase, Hugues. Pure Storage France, dans 3 ans, c'est... Le numéro 1 du data center moderne qui passe par la première technologie flash du marché. Et on sera numéro 1, j'en suis certain. Merci pour cette interview. Je suis Hugues Zé, nouveau country manager Pure Storage France. Bah, bravo. Merci, Hugues. Nicolas.